L'uniforme actuel a été créé par le commandant Jules Repon en 1914. Il comporte trois couleurs, le jaune, le bleu et le rouge, qui font référence aux couleurs du pape Clément VII, sauvé lors du sac de Rome le 6 mai 1527 par la garde suisse. Et c'est en son honneur qu'on prête serment le 6 mai chaque année pour le pape régnant. La cuirasse pèse environ 15 kg avec la partie du col autour du cou, le buste avant, le buste arrière, les épaulettes et le casque. La plus belle salle pour moi, qu'on arrive ici, puis dans ce lieu de travail on est là, waouh. Puis au début ben, on passe tout notre service et on a le temps. Je connaissais déjà un peu la garde suisse parce que mes parents m'en ont parlé. Et aussi, ben, c'est connu en Suisse parce que c'est un honneur pour la Suisse d'avoir des gardes qui protègent le pape. Mais le déclic, c'est quand je suis allé à Rome, si vous voulez, avec ma famille, mes cousins, cousines, mes parents. Ben, c'est là où, quand je suis venu visiter le Vatican, ça, je me suis dit, ben ouais, je peux participer à cette aventure.